là, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Joël Philippe qui parle avec nous depuis la capitale fédérale américaine dans Washington DC. Si nous entendons, on va dire que nous entendons moins. Nous allons déraper là avec les petits cousins nous faire un petit peu en retard aujourd'hui. Vous entendez moins? Félix, est-ce que vous entendez Paulius? Vous entendez Jean-Yvon? On dérape là. Ok, vous dites oui, mais on dérape non. Bonsoir tout le monde. Bien, actualité a gagné d'abord un sommet ministre des Affaires étrangères pays G7 qui a déroulé dans Tokyo, au Japon. Côté que ministre, y compris secrétaire d'État américain Anthony Blinken, et a fait tout fait voir seul. Pour condamner ce qui passé dans le territoire Gaza, pendant que vous connaissez que c'est droit Israël, lui-même pour lui défendre tête. Donc vous condamnez l'action que Hamas posée, nous connaissons ça fait pratiquement, et depuis 7 octobre passé, ça fait pratiquement un petit peu, beaucoup plus de mois. Donc monsieur condamné, et puis en même temps, tout, il y a un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui lui-même, et qu'à tes possibilités, il dit que Israël n'a pas qu'à occuper le territoire Gaza. Même si l'on connaît que c'est droit Israël gain pour le défendre contre attaque militant et à massacre dans ce côté. Dans l'autre point qui a dominé l'actualité, surtout, et nous rappelons que le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il promet que le pays, l'Ukraine, gain pour faire partie, ou bien l'AP gain pour faire partie et l'OTAN. Et même partie Union Europe là tout. Une bagarre qui semblait une déclaration qui était probablement parfait. Président Vladislav Vladimir Poutine plaisir parce que nous rappelons que c'était ça même qui était la cause que qui était à la base guerre qui existait entre la Russie avec l'Ukraine. C'est parce que l'Ukraine devait venir membre de l'OTAN et la Russie dit que si l'Ukraine vient membre de l'OTAN, ça veut dire que l'OTAN est capable. L'OTAN vient devant pas porter parce que l'homme, c'est membre de l'OTAN, et bien l'OTAN doit mettre des armes à Kayou, qui va lui faire en face à Kaili, et tout ça va faire plaisir, c'est les autres qui ont été expliqués et parler de guerre. Dès que y a des appels qui disent, c'est pour dire, monsieur, font camper sous membre de l'OTAN ça, mais quand même ça va faire. Maintenant, tout que Volodymyr Zelensky, il y a un bois de bananes, parce que pendant tout le temps que ça a mis le Kembe là, pour continuer à battre avec la Russie. Si pas de bois des bananes, il n'y a pas de support aux pays occidentaux, eh bien, il était capable là, je dis en particulier les États-Unis capédil pour fournir des armes et outils nécessaires pour la bataille avec la Russie. Et puis ici, aux États-Unis, il y a une élection. Il y a une élection, mais l'élection est déroulée surtout sous avortement, contrôle des armes, mais c'est une élection au niveau État, côté que. Gouvernement local, tu as une élection dans le nouveau gouvernement local, donc magistrat, tu as une élection pour non CDETA pour gouverneur, pour post-gouverneur, et puis tu as une élection tout dans CDETA, dans Virginie, Ohio, pour par exemple, pour le Sénat avec les députés dans le niveau local. Eh bien, élection ça, qui déroule 8 mois, 1 an à l'avance, ou 1 an avant l'élection générale, bah, une idée plus ou moins comment élection capable. Qui j'ai élection 2024 yo capable et ba une idée qui j'ai tendance et démocrate avec républicain et électeur pratiquement qui est social voter et qui est ça capable. En tout cas et ça c'est l'idée que nous gagne de qui j'ai élection capable donc plus ou moins déjà débat lancé et puis à ce tour c'est le dernier débat et candidat républicain qui cherche nomination parti républicain pour élection présidentielle pour yo présenter parti à l'élection présidentielle 2024 yo. Ben à ce dernier débat s'est déroulé dans Miami. Gain peut-être attention par consulter sur deux mondes, ancien gouverneur Caroline du Sud là et Nikki Haley et puis gain gouverneur état Floride là DeSantis et bien apparemment semble ta fondre mais n'a pas pour une troisième fois ancien président Donald Trump pas participer dans débat ça même là qu'il qualifie pour participer. Et puis même malgré le papa de débat, il est toujours mené dans le sondage, dans l'intention de vote. Mais en tout temps, il va faire un autre
tout près à tout dans même zone non ils parlent font une sorte de rallye une sorte de manifestation pour ils parlent prononcer un discours etc dans même bar là justement pour capable attirer attention alors dans deux autres débats qui gagnent ils partent là mais ils font même bar là gagnent une idée par une interview sur réseau social X ancien nom qui est l'ancien nom Twitter et deuxième nom encore ils font l'autre bar encore mais ils partent participer là dans l'idée que le parrain l'a pris plus d'autant plus l'a mené dans l'intention de voter parmi candidats parmi électeurs républicains. Et puis, dans le pays d'Haïti, en fait, c'est des gros blousaïens sous frontière haïtiano et dominicaine dans la zone Waname, donc dans le département nord-est. Là, après, les soldats dominicains étaient entrés, pas entrés sur le territoire haïtien. Et d'après ça, même autorité qui était localité là, mais ils étaient venus dans la zone dans limite, c'est une zone tampon, côté que ils étaient venus camper là, ils étaient venus à Machinio. Eh bien, le fait que devine là, les Haïtiens qui étaient dans la zone ont été protestés parce qu'ils pensaient que c'était une intimidation. Ils devinent intimidés et travailleurs qui ont construit un canal d'irrigation. Donc, les Haïtiens ont commencé à rouler caoutchouc, ont commencé à parer pour les roches, mais ce n'est pas les Bessap qui étaient campés là pour demander aux Haïtiens. Non, non, Dominique n'est pas sur le territoire haïtien. C'est sur le territoire paroué, c'est dans une zone neutre. Zone ça ni Haïti ni parce que grand mur a été construit ils ni Haïti ni Dominique qui doit là dedans donc pas de ce territoire haïtien mais je merci pour le moment et pas joué et d'après une nouvelle commission a rapporté parce que même ancien ministre haïtien qui avait à l'étranger et d'une parution rapporté tout que l'état semblé que ministre affaires étrangères haïtien est rentré en contact avec le ministre affaires étrangères dominicain pour te parler de Sidan et il te promet pour chita parler puis te parce que quoi tension qui vient de pays crise qui vient de pays c'est normalement c'est dans dialogue pour ça résoudre et puis je dis à c'est un jour que je dis à même mercredi à son jour que et commerçant dominique commerçant ici on a deux entrées t'as ici foncé à puis à le prendre bah il était bien plus dominicain bah samedi passé dominique était à la pointe que autorité de pays était jeune il était permis que commerçant ici en fait machine qui débloquait le dominicain qui était début de mois et mes machines étaient capables de quitter le territoire dominicain pour entrer en Haïti. Et ce n'est pas dans deux jours à la fin, je dis à ces commerçants haïtiens même qui prennent le marché dominicain pour aller prendre le marché en disque qui vient en aide. Donc ça veut dire que c'est la dossier à y. Mais impossible que le dossier construction Canada l'a continué. Manquer l'argent d'après sa responsable a dit, l'argent que vient en meilleur dit que il n'est pas suffisant pour faire travailler, mais il vient au niveau côté, au niveau technique, qui est très élevé côté des supports gouvernement pour venir aider au côté des engins lourds, pour venir aider au fin de continuer le travail là, mais tout ça va continuer. Et puis, il y a un représentant et secrétaire général de la Nations Unies en Haïti, on a parlé de Maria Isabel Salvador, qui lui-même fait une déclaration pour dire que il n'y a pas qu'il y a un gouvernement de transition, parce qu'on ne parle pas de Kounia. Il y a une proposition qui est sur la table à Kounia, c'est pour le 7 février 2024, bon gouvernement de transition qui est remplacé pour le ministre Henry parce que le mandat a fini. Eh bien, responsable de la Lité, par contre, un gouvernement de transition capable de remplacer et un gouvernement de transition, un gouvernement de transition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que son gouvernement de transition qui pourrait remplacer le premier ministre Alain, qui est son gouvernement provisoire tout. Et, mais il était quoi que condition de réunir pour qu'il organise des élections et mettre toutes les conditions tout en place pour que l'élection déroule pour qu'il y ait un gouvernement civil et un gouvernement capable élu, y compris des élus, députés, sénateurs, etc. Donc c'est un grand point quand même, on a pu développer pour vous. Et puis dossier, il y a une réaction tout, leader politique, tout qui a réagi tout, sous déclaration et député américain d'origine haïtienne, chez la chef Félix Macron, il fait by Valérie Saint-Louis, hier, que nous avons passé sur la voie de l'Amérique, côté il dit que le premier ministre Henry II est démissionné. Et pour permettre que Bayo marche, et donc Bayo n'a pas marché avec le ministre Henry. Donc il dit que l'idée était quoi que de démissionner. Donc, et Gemou qui m'a interprété ça, c'est pas ça. Il dit que le premier ministre a été démissionné, c'est parce que le ministre n'a pas aucun rien qui arrive, pas rien qui fait. Donc très probablement, on a un commentaire ou bien une réaction. Quelques idées politiques sur ça.
Et c'est ça que le correspondant nous a travaillé sur lui dans le Port-au-Prince pour vous entendre. Et à chaque des problèmes. Par exemple, des déclarations, par exemple, et au président de la secrétaire générale des Nations Unies a fait soupirer sur ça en Haïti, à parler de Maria Isabel Salvador, et bien, et le correspondant nous, Emmanuel, qui a parlé de ça et de la situation là. Et puis, et la police continue de mener l'opération. Il y a monsieur le policier qui est tatoué. Deux nègres qui ont été identifiés comme gang, ou bien comme nègres qui ont été opérés, mais il y a ces populations, pas même par les policiers, autant que les cadavres là, parce qu'ils étaient venus bien, ils étaient par les M. Sayo, quoi qu'il y ait, ils ont été mis des trucs sur eux, et ils ont été finis avec eux. Voilà, c'est autant de points qui ont été mis en actualité. Je dis à rien qui n'est pas là, et c'est un travail à la Calibito. Et moi, c'est moi qui a présenté le journal radio sur télévision. Hein, donc, voilà. Et c'est comme ça, ça est. On est là. Donc, en pile de dossiers qui sont appuyés, en pile de questions qui sont discutées. Et justement, le gouvernement haïtien officiellement pas réagi sur l'incident qui passait sur la frontière. Officiellement, par contre, notre sortie. Mais d'après ça, ancien ministre et nous par exemple, et ancien ministre qui a fait un par exemple, moi à Dieu capital ainsi que et ministre Afrétan Victor Généus était parlé avec ministre Afrétan Dominicain et Alvarez. Sur question c'est là et calmer les esprits, mais quand même tout le monde dit Dieu merci Batmoncier parce que dit si des mois ils s'intéressaient pour un coup proche, baron dominicain un coup proche. Qui te gon on fusil en main et voir qu'on est ça va passer c'est ça va dire que il faut que les yo mette de l'antivirus et avant yo agir parce que bah la capable très difficile mais après nous croit que et président dominicain considère comme une sorte de prorogation parce que nous manque tension de pays yo mais dominicain voulait pour que frontière yo l'ouvre pour capable faire commerce avec Haïti mais haïtien dit non. Il n'y a pas parlé en frontière pour que du côté dominicain frontière à l'ouvrir, mais il n'y a pas parlé au même tout en tant que autorité haïtienne, pas chita avec l'autorité dominicaine pour discuter certains points d'abord, côté une question diplomatique d'abord, ensuite une question commerciale entre les pays. Voilà, et je crois que c'est la m'campé, je salue nous, merci à Phil, et nous retenons pour nous parler encore jeudi à ma pointe plus tard dans le journal Radio et Télévision. Passez un très bon après-midi en compagnie de la Vatamine. Bonsoir tout le monde. Bye-bye.